Joyeuse Pâques! En fin de semaine, ma famille se joindra à tous les chrétiens ici au Canada et ailleurs dans le monde pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est la deuxième année consécutive que l'on doit fêter Pâques différemment à cause de la COVID-19, ce qui veut dire qu'on sera nombreux à célébrer cette fête sans nos amis et notre famille. Et certains ne pourront pas non plus assister à la messe de Pâques. Je sais que ces activités ne sont pas les mêmes sur Zoom ou au téléphone, mais on peut quand même trouver des façons de souligner cette occasion et de réfléchir au message de compassion, de bienveillance et d'espoir de Jésus. Parce qu'en ce moment, ces valeurs sont plus importantes que jamais. À la maison, Sophie et moi allons quand même faire une chasse au coco avec les enfants. Et on va essayer de sortir dehors en famille pour profiter du printemps. Je suis chanceux de vivre avec les gens que j'aime le plus au monde, mais je sais que pour bien des Canadiens, Pâques sera une autre fête qu'ils passeront seuls. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre des nouvelles des gens que vous aimez et à partager l'espoir et la joie de cette journée avec ceux qui pourraient être isolés. Mes amis, cette crise sera bientôt finie. Et quand elle sera finie, on va bâtir un pays plus fort et plus résilient ensemble. Ma famille et moi souhaitons une très heureuse fête de Pâques à tous ceux qui la célèbrent. Soyez prudents et prenez bien soin de vous.